Chaque joueur n'a besoin que d'un seul Joy-Con. Suivez les instructions, bla bla bla. Super Mario Party! Hey tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu, Super Mario Party. Donc, au début, j'étais un peu réticent à faire des vidéos en me disant c'est trop long et tout. Mais avec le mode danse et tout, ça peut être pas mal. Donc, malheureusement, on ne joue qu'avec une seule console. Tiens, on peut jouer avec deux consoles et quatre joueurs. Du coup, un joueur. Ah, oui, non, c'est maximum. Pardon, un joueur, voilà. Du coup, c'est un peu moins drôle de jouer tout seul, je vous avoue. Mais après, il y a le mode en ligne et tout, donc voilà. Donc, voilà, ses amis cherchent encore une fois à déterminer lequel d'entre eux est la véritable superstar. Mais il est bien décidé de trouver une méthode qui permettrait de trancher. Je sais pas, c'est sûr. Mario propose alors un moyen de régler la question une bonne fois pour toutes. Ouais, Mario. Et tous sont d'accord, voilà une façon idéale de désigner la superstar. Tout le monde a l'air enthousiaste, c'est parfait! Nous allons enfin savoir qui est la plus grande superstar de nous tous! Mon ami Toadette et moi-même, nous serons les arbitres! Alors, qui est prêt pour comme. Vous n'aurez pas oublié un petit détail par hasard! Hein? Mais c'est Bowser! La superstar, ça pourrait être tout aussi être bien entre nous, bien être. Hein? J'ai pas raison, mes sbires! Parce que les Rex, surtout il y a beaucoup de gens en marteau. C'est pour ça que je peux répondre. Et puis j'ai pas franchement confiance dans la partialité de ces arbitres, moi. Hey, Kamek, tu vas aller faire l'arbitre toi aussi. Et tu laisseras passer, compris? Comme il vous plaira, maître. Oh là là, comme il le sait. Mais inutile d'espérer la montre est en faveur de papa. Ah. Très bien, avec l'aide de Kamek, il ne devrait pas nous falloir longtemps pour finir d'installer. Un peu de patience. Oh, une étoile. Wow! Et voilà tout le monde, ça y est, tout est en place. Attendez un peu de voir tout ce qu'on vous a réservé. Oh, ça y est, ça ouvre ses portes. Ouais, on applaudit, ouais, bravo, ouais, c'est super! Youpi, que les jeux pour couronner le jeu! Super Mario Party, sa super musique! Et du coup, ah, il y a pas un marteau, mais il n'y a pas pour me tourner tout. Oh, c'est dommage. Du coup, on va prendre un marteau avec. Oh. Très bien. Du coup, c'est parti, let's go. Bienvenue sur l'esplanade de la fête. Alors, qui sera de la partie? Fort, expert, normal. Quel événement? On va prendre des forts. Hein. J'ai déjà l'habitude des Mario Party. J'ai beaucoup joué. Ah oui, Aura. C'est ça aussi qui était nouveau. De faire le Aura. Du coup, vu que j'ai beaucoup joué, je vois à peu près comment ça fonctionne. Puis j'ai vu des vidéos quand même. Ah, une seconde. Tu peux revenir me voir, modifier la composition du groupe. Ok. C'est bon, je viens de dépasser. C'est vrai, faut vraiment y aller. Ok, bonjour. Oh, frère marteau. La semaine de la fête, ton activité offre que j'avais un petit accessoire pour se déplacer plus facilement. Un GPS avec quoi ils intégrer? Attention, ferme les yeux. Une tablette. Une tablette Toad. Ah, j'y étais presque, hein. J'espère qu'elle te sera utile. J'y étais presque. Il l'a mangé. Il l'a mangé. Tablette Toad. Ok, donc je fais ce bouton là pour la tablette. La la la. D'accord. Ok, d'accord. Conseil. Guide des différents dés et des joyaux. Ok. Et qu'est-ce que t'as à me dire sinon? Là, c'est le point. Les bobo bozo. Il n'y a aucune voix pour cette position. Et c'est parti pour la fête. Alors, tiens, frère Marteau, tu as croisé Luigi. Vous avez même rassemblé tous les joyaux. Ah! Il faut qu'on trouve des joyaux. C'était comme dans Mario Sport Mix, il me semble. Bonjour, toi, dit Birdo.
comment ça, frère Marteau, elle a déjà commencé. Là, zéro tournoi a lieu à ma entreprise. Et le. Vous savez? Bah oui. Ah, tu savais pas? Ah oui, moi j'ai. Mais bon, moi du coup, je vous explique. Mais non, j'ai joué sûrement. Je sais même plus comment le. Non, j'ai joué en 8 ou 9. Bref, bah évidemment. Ah ah. Ok, bon bah c'est cool. Là, il y a une plante piranha. Aïe, ouch. C'est. Bonjour Kamek, c'est moi qui ai créé ce de la fête. Ouais, oh, c'est mon noble avis. Bonjour la Kitu. On va coller à l'organisation. Oh le pauvre. Bonjour Harmony. À ma compagnie, d'accord Harmony. Viens avec moi. Tu vas remplacer quoi? Ouais, on a Harmony avec nous. Là c'est pas encore quoi. Waouh, quand j'aurai débloqué tous les mini-jeux, d'accord. Ça c'est le mode en ligne, il me semble. Ouais. Ah. Ah oui. C'est vrai que je ne peux jouer qu'avec mon compte principal. J'ai oublié. Du coup, c'est des mini-jeux, la danse et tout. Donc du coup, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire de la danse. J'espère que vous êtes prêts. La scène rythmique. C'est parti. Alors faites attention aux autres personnes et aux objets autour de vous. Let's go. Ouais, j'ai ma dragon. Allez, route. Alors passez, on va quand même pas passer la cinématique la première fois. Le public est au rendez-vous aujourd'hui. Le spectacle va bientôt commencer. Ouais, je m'échauffe. C'est bon pour toi, frère Marteau? C'est bon, je suis prêt. Pour toi aussi, Armani, voilà, c'est pas moi du coup. Et Beach, ça a l'air bon aussi. Oh, il y a des Pumpkin et des Koopa derrière. Oh. Allez, tout le monde en scène. Bibi. Hourra! Ouais! Tintintintin, cling! C'est vrai que la musique est pas mal. C'est une blague. Oh, c'est comme dans les concerts au Japon, il y a les trucs là. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, je danse. Oh, attends, quand je secoue, ça fait coucou. Ah, c'est rigolo. Lever le poing en l'air en rythme. Ah oui, c'est vrai. Là, j'y arrive pas en rythme. Voilà, ok. Un petit problème de son, mais vraiment pas de problème. Ok. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, frapper les blocs. Ok, très bien. Ok. Je suis pas essayé de faire ça avec la musique et du coup, pas avec le. Parfait, parfait, ouais. Tiens, du coup, quand on fait un parquet, un parfait, pardon, j'ai l'impression que ça apporte 3 points. Et là, 1 point, d'accord. Proto, 1 point. Ok, d'accord. Oh, et la musique est trop bien. C'est un remix du premier Super Mario Overworld theme. C'est trop bien. Waouh. Et là, en plus, on a pas tous les mêmes trucs. Du coup, ça fait bien au niveau du son. Allez, on va taper. Alors, prochain mini-jeu, prenez la pause. Très bien, comme dans One to Switch, il y avait aussi prenez la pause, disco synchro. Ah, c'est Waluigi qui le fait. Yeah. Proto, comment ça proto? Ah tiens, c'est drôle parce que là tout le monde devait pas le faire. D'accord. Là, waouh, il y a tout ce qu'il fait. Oh, c'était trop rapide ça, j'ai pas. Ouh. Oh, lever les mains. Ça faut pas le faire. Oh. Oh là là. Oh non, j'ai fait trop tôt. Non. Ah mince.
mince, j'en ai oublié un, je suis bête. Aïe aïe aïe. Et du coup, tirer la nappe. Presque dit juste parce que je cherche mon rythme. Ok. Ouais, je tire la nappe. Là. Alors. Ta 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 ta. Ah, d'accord, je vois ce qu'il va faire. Ok, je comprends. D'accord, il faut faire ça avec le rythme. Et là, je fais beaucoup trop tôt. Oh non, beaucoup trop tôt. 5, 1, 2. Oh, des ondes. J'avais des ondes. Ah, j'étais très mauvais. Mais bon, on va dire, c'est une première fois, donc. Il faut bien une première fois pour au niveau de la pause, j'ai pas été toujours le meilleur, mais bon, on a toujours gagné quand même. Quel type de remix? Tiens, un nouveau type de spectacle. Alors les amis, est-ce qu'on se serait pas là, comme ça on fait un type de spectacle, non, avec des nouveaux trucs à chaque fois? Ouais, c'est pas terminé, on va se laisser là les amis, on va faire des petites vidéos à chaque fois, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est un peu moins drôle, je trouve, que si jamais genre, on voyait vraiment faire et tout. Mais je trouve ça quand même bien et tout. Et puis ça commence à être fatiguant. Donc si jamais vous avez apprécié la vidéo, bah, je vous laisse laisser un like et la partager. Et vous abonner à la chaîne aussi. Et mettre la petite cloche si c'est pas déjà fait. Allez, salut tout le monde.